Ici, au Bigatan, on ne fait pas que de la grillade et que des escargots. On travaille aussi le poisson, et pas n'importe quel poisson. On travaille aussi de la gambasse rouge. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est la gambasse rouge exactement. Donc, on va procéder à la cuisson. Donc, on a la planche qui est un peu forte, la plancha. Je verse un peu d'huile d'olive de mon ami Christian Reyes, producteur ici à Canet. Un petit peu d'huile sur la planche. Un petit peu de gros sel. Voilà, ça grésille, c'est beau. Et on met nos gambas là-dessus. Un produit exceptionnel, la gambasse rouge. Donc, on a posé la gambasse là-dessus. On remet un petit peu d'huile. Voilà. Et le secret de la cuisson, c'est que surtout, il ne faut pas l'exagérer. Il faut la respecter, cette gambasse. Cette gambasse, elle est rouge parce qu'elle a été pêchée dans une faille qui est très, très, très profonde. Et au moment où les pêcheurs remontent dans leur filet ces gambasses, qui sont à l'origine translucides, elles font rien d'autre qu'un accident de plongée. C'est tout, un accident de plongée, elles font. Ce qui fait que ça répartit le sang un petit peu partout dans la gambasse et lui donne ce goût si particulier et cette couleur bien connue des amateurs. Là, on peut déjà les retourner. Vous voyez qu'elle a pris une autre couleur. Et dans 30 secondes, notre gambasse sera déjà prête. Il ne faut surtout pas exagérer la cuisson. Et elle a besoin de rien d'autre, cette gambasse, rien d'autre. Le sel, l'huile d'olive. Et voilà, là on a la gambasse qui est prête. On peut la dresser. On va mettre un peu de persil frais dessus. Plus pour le goût, pour la couleur, pardon, que pour le goût. On rajoute un petit peu de gros sel. Et là, vous allez avoir un produit d'exception. Si je peux me permettre, on va vous montrer ce qu'on peut faire avec cette gambasse et ce qui représente tout le secret. Quand on l'ouvre, voilà, il faut absolument manger ça. C'est du rêve, du bonheur. Et les amateurs, on n'enlève pas la carapace. On la mange, on la déguste. On se régale. Du pur bonheur.